Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième partie de Pokémon Cops. On est toujours policiers, on s'est pas encore fait virer, tuer, tout ce que vous voulez, tout malheur qui pourrait nous arriver. On a été officiellement, d'ailleurs officier de police, diplômé de l'académie de police à l'épisode précédent. On a parlé avec beaucoup de monde, donc j'espère que là on va bien avancer et faire quelques combats, parce que la tiers de l'épisode c'était intéressant, c'était des rencontres. Certains membres, certains officiers qu'on va à mon avis revoir plus tard dans le jeu, donc c'était pas inutile mais quand même. Et à la sortie de du commissariat, on va dire, on est arrivé ici, et voilà, c'est un peu l'entrée de la ligue, quoi. Donc, on peut pas y entrer, hein, ne vous inquiétez pas, mais on avait déjà vérifié, je crois. Mais, je peux pas courir. Attendez, mais... Ça, c'est... Ah, mais d'accord, j'ai appuyé sur E, je me trompais de touche, pardon. Ok, donc je sais plus où j'en étais. Non, en fait, je croyais que j'accélérais, mais en fait, je courais. Du coup, bref, non, c'est bon. Bon, on va continuer, du coup. On n'en a pas de Pokémon vraiment pour faire surf. Salut Saumon, est-ce que tu es prêt pour le job? Ouais, tu ferais mieux de l'être. Allez, je vais te déposer à Rustboro City. Une fois que tu seras là-bas, tes devoirs officiels vont commencer. N'aie pas peur de voyager à travers la région de Wen pour combattre le crime. C'est un monde dangereux, sois prêt. Here we go. Ok, très bien. Bon, ben on est à Meruil. Du coup, c'est quoi? C'est les vrais noms, Rustboro? Vraiment, j'ai jamais vu ce nom. Ces donuts sont incroyables, manger des donuts... améliore la puissance des Pokémon des officiers de police. Chaque donut compte. D'accord. Comme les gens, il y a des mâles, des Pokémon mâles et femelles. Les gens des pervers de la pension aiment les regarder se reproduire et faire des bébés. Ok. Ok, alors on va pas s'amuser à parler non plus à tout le monde. Parce qu'on a déjà fait. On l'a déjà bien fait. Oh, ah, mais ça, c'est la maison du gars qui nous donne coupe normalement. Voyons voir si tu mérites la CS01. Ok, donc il y a un défi. C'est bien, hein, pourquoi pas. Hein, On arrivait et je crois qu'il nous l'a donné plus ou moins directement. Donc, pourquoi pas. Moi, je veux bien. Allez, au revoir. Alors oui, hein, Keshua risque de l'utiliser assez souvent. Allez, on continue de l'utiliser. Et oh, il a résisté. Ça devrait aller quand même. Il se soigne pas de toute façon. Ok. Et griffe pour terminer. Très bien. Alors, est-ce qu'il va nous la donner? Player, on a battu Josa. Vous n'êtes pas trop mauvais officier. Et du coup, on la mérite. Ok, mon père a quelque chose de vraiment cool pour toi, officier Saumon. Ok, donc, elle nous a pas non plus agressé en mode c'est une droguée ou je sais pas quoi. Elle était plutôt normale finalement, plus ou moins. C'était un combat impressionnant de ta part. J'aurais aimé pouvoir dire la même chose sur ma fille, elle était horrible. Elle est vraiment horrible, n'est-ce pas? Elle est plutôt jolie, mais elle ne s'est toujours pas mariée à cause de son horrible personnalité. Peu importe, je pense que tu mérites ceci, gamin. Ok, très bien, on a 16-01. Ces coupes, c'est un coup bas, une attaque plutôt décente hein, dans un combat et une CS utile. Les arbres dans Owen sont plutôt laids. Bon, voilà, ils sont laids, quoi. D'accord, bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. On y va. Alors, non, c'est pas celui-là, le grand bâtiment de la Devon Co. On va peut-être quand même parler... Ah non, mais on peut pas entrer dans un bâtiment sans se faire agresser. Est-ce que c'est un intrus? J'ai le droit de combattre. Ce qui dit détruit cet intrus. D'accord, donc même si on est officier, on peut comme se faire agresser à mort. Alors je vais peut-être pas laisser Keshua trop devant, parce que sinon il va commencer à prendre peut-être trop d'avance. Au revoir Skitty. Oups, désolé, hein, c'était une erreur, officier. Non mais regarde pas avant. Mia, est-ce qu'on peut... Ah voilà, on peut aller lui parler, du coup on lui dit quoi. Je suis vraiment désolé officier, pardonnez-moi. T'as pas quelque chose à me donner? Merci. Bon, je voulais bien te pardonner, mais un petit truc en échange quoi. Petit pot de vin. On m'a dit que les policiers étaient des personnes qui travaillaient dur. Je veux être un policier quand je serai grand. Tiens, une Honor Ball, d'accord, merci bien gamin, toi t'as compris. Hein. Devon est une compagnie qui a beaucoup de connexions avec la Team Magma. Ok, on va aller juste après voir la compagnie Devon. Alors je me demande ce qui se passe si on essaye d'aller à l'arène. Oh non, encore des agressions. Gross, non, tu ne veux pas savoir, tu ne veux vraiment pas savoir. Bon, d'accord, t'as compris, pars, juste pars. Arrête de les regarder et pars. Chrysol est un homme horrible. Ah, d'accord, donc on pourra vraiment pas savoir. Enfin, moi je m'en fiche, hein, je veux pas forcément savoir, mais c'était juste, c'était mis en place exprès. Ok, pourquoi pas. Bon, et ben on va aller, je pense qu'on va aller voir la Devon Co. Il y a beaucoup de choses, il y a une grotte ici. Et lui, il nous dit quoi? Les souterrains, enfin les égouts, c'est fou. Contrôler les égouts, c'est une grosse partie de notre job. Je me suis déjà fait blesser par un thug là-bas. Aide-moi, gamin. Ok, qui pourrais-tu être? Tu es un nouveau visage dans le coin, un nouvel officier? Tu as vraiment beaucoup de travail à faire. Ok. Ok, ok. Ah bah tiens, on va aller récupérer
Je suppose que les slums, c'est là où on aura quelque chose à faire. Mais je veux juste aller voir. Oh, les mêmes, très bien. Juste aller voir avant à la Devon Co et à la Reine s'il y a quelque chose à faire avant d'aller dans les égouts. Alors, les maisons avec les pancartes, allez, on va voir. Trainer School. Ah, on pouvait s'entraîner ici avant, non? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il nous dit le prof? Ah, bah il nous dit quoi? Les étudiants qui n'étudient pas assez nous ont goûté un peu de ma vive griffe. Ce n'est pas de l'abus. Je ne suis pas assez payé pour vraiment abuser. C'est de la discipline. Ok, il nous la donne. Très bien, comme ça, il les agressera pas. Un Pokémon qui tient une baie va se soigner lui-même. Oh, c'est tellement ennuyant. Ma mère insiste pour que j'aille à l'école. Ok, bon, il n'y a pas de combat à faire. Je veux juste un peu avancer. Je vous assure, 10 minutes de dialogue à juste faire de la... Oh, un officier de police. À juste traduire ce qu'ils disent. Ça m'a fatigué la voix. Hein. Un officier de police. Fuck la police. Je n'ai pas peur de toi, espèce de faiblard. Ok, très bien. Alors, on va quand même essayer d'entrer dans toutes les maisons, voir s'il n'y a pas quelques petites choses qui se passent. Ah mince, j'ai oublié, je voulais plus le laisser en premier, lui. C'est pas grave, je change juste après. Qu'on tourne un peu. Ok, il a raté. Tant qu'il commence pas à abuser sur les jets de sable, très bien. Ensuite, c'est tout. Très bien, bon sang. Alors, Saumon arrête le thug. Les renforts sont venus et l'ont mis en prison. Et ben voilà, déjà, allez, ça fait plaisir. On est du bon côté de la justice, hein, évidemment, donc on est plutôt fiers de nous. Et on va du coup pouvoir se diriger, maintenant qu'il est plus loin, ce sbire de la team Aqua, on va pouvoir se diriger vers la Devon Co qui est juste ici. Oh! Mais non, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Tu n'es pas autorisé dans ce bâtiment, officier de police. La Devon Corp does not back down, ne se met pas à genoux devant personne, enfin ne se met à genoux devant personne, ni même la police. C'est vraiment un Dracaufeu? Ce Dracaufeu a l'air vraiment très intimidant, comme son propriétaire. On ferait mieux de pas déconner avec les règles, à moins qu'on veuille être détruit par ce Dracaufeu. Ok. Et du coup, la reine peut pas y entrer. Bon, eh bien très bien, on va poursuivre notre découverte de la ville. Salut officier, est-ce que tu veux te devenir plus fort? Si c'est le cas, j'ai une excellente proposition pour toi. Je veux bien t'échanger mon Grenipiot contre ton Tarzan. Non, 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 non. Jamais. J'avais toujours pensé que les policiers étaient laids, de toute façon, cochons. Owen était un super endroit pour l'aventure, maintenant c'est trop dangereux. Owen a un taux de meurtre, enfin taux de criminalité plus élevé qu'à Kanto. D'accord. Là, est-ce qu'on part tout de suite par... Ici, il n'y avait pas des choses, une Pokéball à récupérer. Salut, toi. Je suis la seule ici, personne d'autre ne regarde. Qu'est-ce que... D'accord. Ce que tu fais dans ce genre de situation montre qui tu es vraiment. Ok, ouais, en fait elle voulait qu'on se mette derrière un petit buisson quoi. Elle a compris. Bon, on va aller dans les slums, je pense. On va aller dans les slums. Non, par ici. Il y a peut-être 2-3 maisons qu'on n'a pas encore vues. Je sais plus. Ici on y a été, c'est l'école de dresseur. Ah tiens, cette maison, je l'ai pas vue. Salut. Roxane, la championne d'arène, est diplômée de l'école de dresseur. C'est pour ça qu'elle craint Max. Ok, l'école de dresseur is a scam, c'est une arnaque. Ils sont subventionnés par le gouvernement, mais ils ont toujours besoin de tuition. Pas compris. J'ai pas trop compris ce que ça veut dire, tuition. Ok. Alors, est-ce qu'on a vu toutes les maisons? Je sais plus si on y a été... Là, on y a été ou pas? Non, je crois pas. Mon mari et moi, à Arlo Abeding, je sais pas, Abeding, je connais pas ce mot. Il n'y a aucune raison pour toi d'être ici, nous n'avons rien à cacher. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, policier? Il n'y a rien ici. Pars d'ici maintenant, il n'y a rien derrière mon Pikachu. Pars d'ici, policier. Ça, c'est quoi? Saumon cherche quelque chose de suspect. Oh bon sang. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Trouver quelque chose et... Qu'est-ce que c'est de l'héroïne? Aucun doute, c'est de l'héroïne. Il y a de la poudre et needles, les seringues. Enfin, je crois que ça veut dire seringue, je suis pas sûr. C'est clairement quelqu'un qui est vraiment très accro. Et voilà, on récupère ça pour nous. Ne touche pas à ma précieuse héroïne. À mon avis, il va vouloir la défendre de toute son âme. L'héroïne, c'est l'amour. L'héroïne, c'est la vie. Pikachu, tue ce bâtard. Ok. Très bien. Très très bien. Allez, Adidas. Le retour du chien à trois bandes. Lance-flamme, je sais pas si... Si lance-flamme, ça devrait le faire, c'est quand même sacrée puissance, non? Ah non, ah, bah, il est brûlé au moins, ça c'est plutôt cool. Et puis, allez, on finit par juste un petit flamèche. Mince, pas grave. C'est pas grave, il n'a pas de tonnerre, il va pas nous faire bien mal.
Bien joué, Adidas 146. Ok, très bien. Non, mon héroïne. Saumon a arrêté le vieil homme. Les autres officiers de police sont venus sur la scène. Ils ont tout récupéré, toutes les drogues illégales. Ils ont mis le vieil homme en prison. Excellent job, Saumon. Ok, et toi, tu dis quoi maintenant que j'ai plus ton mari? Ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas le criminel. Mon mari, il a toujours eu cette addiction à l'héroïne dont il n'a jamais pu se débarrasser. Heureusement, il va bientôt s'en sortir. Ouais, bah ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr du tout. On va aller se soigner, puis on va aller, je pense, aux slums. A priori, je crois avoir parlé plus ou moins à tout le monde. Je suis pas forcément attardé à 100% sur tout le monde, mais je pense qu'on a parlé à tout le monde. Donc, on va aller aux slums maintenant. Et pourquoi je passe par en bas? Il n'y a rien à récupérer. Ok, c'est juste pour... Ok, allons-y. Et on va garder pour l'instant notre Caninos. Bonjour. Cette personne est morte d'une overdose de plein de choses dangereuses, des drogues illégales. Voilà, tout le monde ignore le corps. Ok, super. J'ai faim. Pourquoi est-ce que maman n'a pas de nourriture? Oh, elle est triste, d'accord. Le machoc de cet homme a battu le caninos de ce policier, c'était cool. Et maintenant, le machoc a tué le policier, ça c'était moins cool. Ok. Je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants. Je vais devenir une prostituée. Plein de pervers et de gens bizarres veulent mon vieux corps. Yes. J'aime mon papa, mais je n'aime pas quand il met des white stuff. Ah, quand il met cette poudre blanche, en gros, au niveau de son nez. Il commence à agir vraiment bizarrement et il arrête d'être gentil avec moi. C'est effrayant. Ouais, c'est de la drogue, quoi. Ah, je suis pas conflicted, comment dire. Ouais, il sait pas quoi faire, quoi. Est-ce qu'il doit vendre sa fille pour de la cocaïne? J'aime ma fille, mais je peux pas arrêter la coke. Et j'ai pas d'argent. Ouais, ça, c'est un peu dramatique. Oh, les avatars de Scott. Alors, ces égouts, bon, ces souterrains, ont été faits par la puissance de la CT-43, par un dresseur généreux qui voulait vraiment aider les pauvres. Ok, je meurs. J'ai été karaté-chopé par un gars qui avait un machoc. Et ça blesse. Mais encore cette histoire de machoc, là, il a tué un policier déjà, ce machoc. Je suis ici pour aider ces pauvres âmes dans ces pauvres souterrains. Ah bon sang, il n'y a pas de place dans cette tente, je suis sans abri. Comment et je dois placer toute ma famille, les 9 membres de ma famille dans cette tente. Ok, alors c'est lui qui est mort. Ouais, cette personne a été tuée. C'est lui qui a été tué par le machoc. C'est toi qui as un machoc? Hey, c'est un policier. La loi ne peut rien faire dans ce coin. Ok, c'est toi qui as un machoc ou pas? Josh. Ouais, c'est effectivement toi. Bon, ça devrait le faire, je pense. Niveau 10, mais lance-flamme. Ok, brûlé. Oh, c'est bon, résiste. Et flamèche. Ok, très bien. Merci bien. Merci bien, merci bien. C'est vrai, ça craint, bon sang. Ok, mes homies, mes compères vont t'écraser. Tu ne vaux rien, stupide policier. Ok, allez, on va mettre North Face devant, parce que là, il est un peu blessé, le petit Caninos. Il est temps d'assassiner, Rob, de racketter, je sais pas quoi, un autre officier de police. Ah, bah, il ment. Je vais te décapiter et je vendrai ta tête sur le marché noir, ça sera amusant. Ok. Ok, ouais, c'est vu comme ça, c'est vrai que c'est drôle. J'avais pas vu les choses comme ça, mais... Alors, ce que l'on va faire... Ce que l'on va faire, on va faire confusion. On va se débarrasser du choupette, il me fait un peu plus peur, je sais pas pourquoi. Un peu plus peur. Et, oh, c'est bon, on résiste normalement. Et confusion pour en finir. Très bien. Et le prochain qui vient, c'est... Geodude, on va lui faire choc mental. Et lance-flamme. Je pense que ça peut mettre KO quand même, malgré tout. Il y a moyen quand même. On va voir. Ok, et choc mental, ça peut le terminer. Ah, dommage. Dommage. Du coup, choc mental sur Akayu toujours. Et lance-flamme sur sur la Nirondelle, là. Et ça devrait le faire. Oh, dommage. Pour pas grand-chose, hein. Pour vraiment pas grand chose. Niveau 12, très bien. Il y aura niveau 20. North Face, c'est un des rares Pokémon dont je suis sûr de l'évolution. Vous pouvez le voir, enfin, vous avez pu le voir dans Pokémon Thunder Yellow. Ah mince, au revoir Adidas. Je ne suis pas toujours sûr des évolutions, des niveaux d'évolution. J'ai dû beaucoup me référer à Internet. Mais là, ça va, il y en a certains que je connais quand même. Ok, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Choc mental et petit vive attaque. Ok, on va essayer de vite s'en débarrasser. Bon, ça va aller, ça va pas nous faire bien du mal. Et normalement, on est bon, je crois. Ouais, c'est bon, parfait. Parfait. Le voleur Tommy et le voleur Marcus ont été battus.
Oh, je vais aller en prison. Bon sang. Non, Not Severed. Je sais pas ce que ça veut dire. Encore une fois, il y a plein de mots que je ne comprends pas dans ce jeu. C'est pas bien grave. Je ne suis qu'un... Voilà, qu'un vieux perdant, stupide. Ok, et c'est bon. Et c'est quoi, c'est le boss celui-là ou... Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors juste, on va... Voilà, j'utilise une potion pour 5 PV, je pourrais aller soigner au centre Pokémon, je sais bien. Sérieusement, un autre policier? Et quand est-ce que vous allez apprendre ces... égouts, enfin ces souterrains sont mon territoire. Ces pauvres idiots ont besoin de mon leadership. Vous les policiers, vous voulez contrôler les souterrains? Impossible. Vous êtes juste une blague, il est temps d'en finir. Ok, belle dame. Belle dame, oh non! Ah, belle dame, on n'a plus notre... Ça va être tendu un peu, hein. Parce que j'augmente, on va rien faire. Ah ouais, rien du tout. On va autant lui baisser. Ah non, et on peut pas lui baisser ses stats. Intéressant tout ça. Ah ouais, maintenant on a plus le Caninos. Ça c'est un peu dommage. On va tenter. On va quand même tenter le coup. On va lui baisser une fois la... Ah mais oui, je suis bête. J'ai oublié qu'on pouvait pas. On va s'en sortir. Vous inquiétez pas. Avec Keshua, rien n'est impossible. Là, on va clairement se soigner. Après, il va pas avoir un autre Pokémon acier, donc on est quand même bien placé et ça va le faire. Mais du coup, je pense qu'on va vraiment se mettre dans Slam au max pendant qu'on y est. On a que ça à faire, de toute façon. Et un autre dans Slam. Et normalement, ça nous met pas de coup critique, hein, merci. Alors, potion, voilà. Ok, ça va. Et là, je pense que le Vive Attack, ça peut le mettre KO. Ok, très bien. Très bien, niveau 13, ouais, c'est le boss. C'est vraiment le boss. Furicutaire. Pourquoi pas, à la place de griffe. Ouais, Furicutaire, ça peut être sympa. Ok, il nous amène qui ensuite? Zigzagoon. Bon, ça va, vive attaque. Ensuite, Nosepass, et bien lui, on va lui faire déjà un gros yeux. Et puis, on va pas... Oh, point clair. Ouh là 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 là. Potion. Pourquoi il y a un point éclair lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Rock tombe, ok parfait, il a raté. Et ben là on va tenter le vive attaque, ça doit au moins faire la moitié, mais c'est bon. Rock tombe. Coup critique, on a eu de la chance. On a vraiment eu de la chance. Béoran. Oula, je suis pas sûr. Tu vois, je suis pas sûr que ça mette KO. Hein. Enfin, le un seul vive attaque, je suis pas sûr. Allez, sans coup critique cette fois. Parfait, peu importe la vitesse baissée, puisque nous on fait vive attaque. Ouais, ça l'aurait pas mis KO, hein. J'ai bien fait de le soigner. Ok, encore un coup critique, ça fait plaisir. Mais cette fois, c'est bon. Parfait. On a eu chaud un peu. On a eu un tout petit peu chaud. Allez, va te faire voir. Toi, espèce de d'ordure. Ok. Les criminels ont été unruly. Et voilà, ils ont pas respecté les règles. Unruly, pour moi, c'est sans la règle ou je sais pas. Bon, ils ont pas pu être arrêtés. Saumon a utilisé ses Tarzal pour s'occuper des criminels avec sa plus puissante attaque. Quoi? Sa plus puissante attaque choc mental? L'attaque était si puissante. Mais en plus, il a détecté qu'on avait un... Ah mais non. En fait, il a dit sa plus puissante attaque parce que ça peut s'appliquer à n'importe quel Pokémon. Si on avait mis un autre Pokémon que Tarzal en premier... Mais non, c'était Kalinos en premier en plus. Ouais, bref, j'en sais rien. Ok. L'attaque était si puissante qu'elle a complètement tout détruit, laissant quelques restes. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est un objet qui appartenait au criminel là, qui vient de décéder. Qu'est-ce que c'est? Oh bon sang. C'est un super moment. Wouhou. Ok. Très bien. Et ben on a récupéré un super moment. Et du coup, vous êtes tous morts ou pas? Non, l'explosion a tué tout le monde, non? Non, ça va, il y a encore des gens vivants. Ok. Bon bah ça, après, ils changent pas leur dialogue. Donc a priori... Tiens, ça c'est quoi? Non, je pensais que c'était quelque chose qu'on pouvait ramasser. Ok, très bien. On va aller se soigner, puis on va poursuivre en direction de la route, là, au-dessus de Mérouville. Au-dessus de Mérouville. Ah, mais tiens, il n'est plus là, d'ailleurs, le gars qui était à l'entrée, non? Ah si, bah tiens, on lui dit quoi? Il nous dit quoi, maintenant? C'est vraiment une folie. Non, non, non. Ok, bah on t'a aidé, hein, a priori, les slums, on n'a plus rien à faire là-bas. Bon, bah quand même, en fait, comme je me rappelle la phrase de... Mince. Ah bah tiens les baies, on va les prendre. La phrase de il faut vérifier deux fois les endroits dans lesquels on est déjà allé. Oui, mais on y était déjà, on n'a pas à y retourner vu qu'on y était déjà, non? Ouais, j'en sais rien. Non, moi je pense pas qu'on a besoin d'y retourner. Ouais, on va aller au nord. Et puis, c'est bon, ils sont soignés en fait, je sais même plus. Ok, ah oui, c'était bien North Face en premier. Ok, salut. Je suis Youngster Joe et je suis unique. D'accord.
D'accord. Allez, un match, ça va. Là, ça va nous entraîner tranquillement sans qu'on prenne. Non, je voulais pas faire ça. C'est pas bien grave, on va le mettre KO avec Flamèche. Ok. Très bien. Ensuite, c'est tout. La vie ne s'arrêtera jamais de craindre. Et non, mon petit. C'est la vie, effectivement, qui est comme ça. Alors, Medina, ça m'intéresse. Mince, je voulais fuir. C'est pour ça que je suis allé en bas à droite. Là, ça va pas changer la vie comme ça. Trainer tips. Fais attention aux gens qui se déguisent en tant qu'objet. Plaisante, ces gars, c'est juste des petits. Si tu veux combattre, tu vas juste aller tout droit. Et ça me rappelle, c'était dans Nameless qu'on avait les objets. Il y avait des dresseurs qui prenaient l'apparence de pancartes, de Pokéball, de. Dans les grottes, vous savez. Comment les. Ah, mais il n'y a pas de dresseur. Vous savez, les dresseurs qui. Les échelles qu'il y a dans les grottes pour descendre d'un étage. Bonjour, vous êtes qui déjà, vous? Je sais plus ce qu'ils sont dans le jeu, ça fait très longtemps que j'ai plus fait. Ce Ruster Tunnel là-bas, le creuser a été facile en premier, mais après on a un gros problème à émerger. Il y avait deux petits rochers sur notre chemin et on pouvait plus. D'accord. Et en fait, ça souligne la stupidité un peu de l'affaire. C'est que. Comment? Ils ont fait un tunnel de fou et il y a deux rochers, deux minuscules rochers qui les ont empêchés, alors qu'ils ont détruit plein de choses. Bref, apparemment, nous avons besoin d'un Pokémon avec l'attaque éclat rock pour le traverser. Donc maintenant, on prend du bon temps. Voici l'histoire d'un homme qui a creusé, qui a fait son chemin jusqu'à Verdant Turf lui-même. Il voulait le traverser et voir sa petite amie qui vivait là-bas. Après un difficile voyage, il a réussi à traverser le tunnel. Malheureusement, il a vu sa petite amie qui le trompait avec deux gars. Dis donc, c'est la fin. Ouais, super histoire, vraiment, merci de me l'avoir raconté. Je n'attendais que ça, hein, de la connaître. Je vais te rock you hard. Ok. Adidas, c'est pas le bon Pokémon. On va tenter avec Lance-Flamme quand même quelque chose en deux attaques. Ouais. Mais nous faire quoi? Charge, ça va. Ça va. Très bien, Adidas. 183. Geodude, on va laisser. On a vu que ça, c'était quand même plutôt efficace. En fait, j'ai peur qu'il soit trop sensible à. Le Tarzan, j'ai peur. Enfin, comment? Faut que je les appelle par leur nom. North Face. J'ai peur qu'ils soient trop sensibles. Est-ce que tu aimes être écrasé par des roches? Pour moi, c'est comme ça que je comprends la chose, mais peut-être une erreur. C'est le Rustur Turnel. Ça rejoint Rustboro et Verdant Turf. Mais non, mais c'est pas les vrais noms, c'est impossible. Ça existe pas, on est d'accord. Enfin, c'est trop bizarre. Whismur, non. Non, merci, ça m'intéresse pas trop. Alors, je vais te mettre KO vraiment juste pour monter le niveau. Et c'est pas assez, c'est pas grave. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Soda cool. Très bien. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un au bout quand même. À mon avis, même s'ils n'ont pas laissé le dialogue d'origine, il doit bien y avoir quelque chose au bout. Il y a juste les rochers. Un Pokémon pourrait être capable. Ok. Bon, on n'a rien à faire ici. Un Rakaillou, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas bien. On va pas s'attarder. On va retourner à Merubil et on va juste voir. Alors, mais il y avait qu'un dresseur sur cette route. Vraiment, juste ça. Alors, on a tout vu. On va juste voir là le chemin entre Merouville et Clémentiville, enfin la forêt, voir ce qu'il y a. Et d'ailleurs, normalement, on est censé voyager en bateau avec le bateau de Monsieur Marco, mais vu que Monsieur Marco est décédé, ça va être compliqué. Attends, je vais juste aller m'acheter quelques potions. On n'a plus que deux hyper potions, enfin deux hyper potions, pas du tout. On n'a plus que deux potions, donc on va aller s'en acheter quelques-unes. Eh, lui, on connaît. Mauvais endroit, mauvais moment, espèce de comment? De policier. C'est cash time, c'est l'heure du cash. Ok. Très bien, c'est l'heure du cash, comme tu dis. Lance-flamme. Ok, au moins la moitié. Ça me va, il va pas nous mettre KO, normalement. Ouh, ça fait mal un petit peu. Ok, ça c'est fait. Niveau 13, parfait. Lire. Ouais, la place de Roar, peut-être. Roar, c'est vraiment tout que j'utilise jamais. Moi, je ne fuis pas les combats. Ah bon sang, j'ai perdu. Ok. Saumon a arrêté le thug et les policiers sont venus et l'ont mis en prison. Ok. Mince. Et toi, qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas de super bonbons à la boutique? C'est pas juste, bon sang. Pouf, la vie est tellement dure. J'ai besoin d'un gros câlin. C'est triste. Mes Pokémon sont morts du poison récemment. Je fais un Nuzlocke, donc j'ai dû l'achever moi-même. C'est triste. C'est triste. On va partir plutôt sur... Oh. Bon, quelques Pokéballs, allez, 8 Pokéballs, on sait jamais, quelques potions, 8 potions, pensons, on n'en est pas non plus aux super potions, ça va. Des huiles, on peut acheter des huiles, ça c'est vraiment pas mal.
Et alors Quicklow, normalement, on l'a déjà. Enfin, je crois qu'on l'avait récupéré. Avec l'histoire de la Quicklow qu'il y avait, je sais plus qui, ouais. On va le donner à North Face. Je sais pas pourquoi North Face, mais j'ai envie de lui donner. Et voilà, on n'est pas trop mal comme ça. Alors, on va continuer, puisque j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à faire ensuite. Je sais pas, pour moi, la seule piste que j'ai, c'est d'aller parler encore à ce gars, peut-être. Non. Je me demande si on n'a pas oublié quelque chose. Bon, on va faire le chemin, on va voir ce qu'il nous reste à faire sur ce chemin. Alors, juste, on a en premier North Face et Adidas, ça me va. Jouons et amusons-nous. Ouais. C'est, dans ce jeu, avec des gamins, ça peut toujours faire suspect. Niveau 6, c'est tout. Ok, mais c'est peut-être pas là la suite. Peut-être qu'il faut retourner voir Monsieur Marco. Je dirais même Flamèche Monsieur Marco. Bref, en tout cas, il n'est plus là, mais peut-être qu'on peut voler son bateau. Vu qu'on est policier, on peut le réquisitionner. Hein, ça ne serait que justice. Ah, ça a été vite. Ah bah oui, t'as des Pokémon niveau 6, s'il te plaît. Alors, et si je m'écoupe un de mes Pokémon là... Non, c'est ici. Est-ce que je peux utiliser ou pas du tout? Ok, j'ai aucun de mes Pokémon qui peut apprendre coupe déjà, donc c'est super. Ok, quelques policiers. Il n'y a plus de reste pour nous les policiers. Enfin, pas de repos pour nous les policiers, pardon. Je recherche quelques indices pour un crime pendant que nous parlons. Afin d'être un officier de police qui a du succès, les Pokémon doivent avoir des attaques puissantes. Tiens, en voici une. CT34, c'est... Shockwave. Oh, c'est correct. C'est plutôt pas mal, effectivement. Très bien. Alors, ça, c'est fait... Et ça c'est fait. Alors, et toi tu nous dis quoi? J'enquête sur cette fleuriste, enfin la boutique de fleurs. Enquêter à l'intérieur, débutant. Avant enquêter à l'intérieur. Ok, donc on va voir, il y a sûrement du trafic. La salle, Rix, voilà, il y a l'odeur de la Marie-Jeanne. Mais la marijuana, c'est illégal. Oh, c'est un policier. Nous étions préparés pour ceci. Cet endroit fait beaucoup trop d'argent pour qu'on puisse laisser un policier tout gâcher. Ok. Encore une affaire bien rose, hein, tout ça. Bien rosé, bien, je dirais même. Bref, je suis vraiment trop drôle aujourd'hui. C'est terrible. Je ne m'arrête pas. Bon sang. I have so got the munchies. J'ai tellement les boules. Je sais pas. Les policiers... Tuer des policiers, c'est tellement facile, Owen. Ha, voici comment on fait. C'est ça. C'est ça, t'as raison. Ok, ben j'ai pas pu changer, donc c'est Adidas qui va s'occuper de tout. Très bien, merci Adidas. On va pouvoir changer maintenant, c'est... Oh, quoique, contre Grimmer. Ah bah si, Grimmer, on va mettre North Face. J'allais dire, c'est Keshua qui a du retard, mais non, pas du tout. Ah, ça fait même pas la moitié. Ça, c'est triste, mais ça va. Il fait que armure. Très bien. Ouh, on a eu chaud. On a eu chaud, mais c'est bon. Et ça va le faire monter niveau 13, je pense. Parfait. Parfait, pas possible. Impossible, j'ai perdu. Eh oui, assez. Nous avons de l'expérience en tant que dealer de drogue. Nous savons comment tuer les policiers. Eh ben, ils sont énervés un peu dans le coin. Vraiment énervés. Mais c'est bon, ils ont que des Pokémon plantes, vu qu'on est dans une boutique de fleurs. Donc, pour Adidas, ça pose pas trop de soucis. Tropius. Même Tropius, ça devrait aller avec Lance-Flamme, je pense. Oh, même pas du premier coup. C'est pas grave, allez, on fait un lance-flamme, je vais être sûr de le mettre KO. Je vais pas faire genre, oh ouais, je le nargue avec Flamèche, non, je vais être sûr de le mettre KO. Maintenant, mon business est mort. La police a fait un raid sur la boutique et a arrêté les dealers de drogue. Maintenant, le magasin, Clerc Ignition. Ah oui, voilà, ils ont les employés du magasin ont essayé de résister à l'arrestation, mais quelqu'un a reçu un morsure du Caninos et ça lui a fait changer d'avis. Ne vend pas de drogue, gamin. Étrangement, la police n'a pas coupé les plantes de marijuana. Ouais, bah ouais, ça servira plus tard. On peut pas en prendre un petit coup, nous? Ça nous ferait du bien. Ok, alors là, il y a une Pokéball à récupérer, je m'en rappelle. Bullet Seed, ça c'est pas mal. Petit Pokémon plante, ça pourrait être pas mal. Ou un petit quelque chose en plus, j'aimerais bien agrandir mon équipe. Je sais pas avec qui, mais ça pourrait être bien. Du coup, on va juste aller voir. Et puis, il nous faut au moins un Pokémon qui connaissent, qui peut apprendre coupe. On va aller voir si c'est ici la suite. On peut toujours pas prendre son bateau, mais il y a personne de toute façon. Ah, comment ça va, mon pote? Cette maison appartenait à un vieil homme avant qu'il décède. Le gouvernement en a donné la propriété à la police. Je ne sais pas ce que nous allons faire avec ça, mais voilà, je traîne dans le coin pour l'instant. Si tu t'ennuies vraiment par ici, tu peux utiliser le bateau. Il appartient à la police, donc tu peux l'utiliser. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, totalement. Le bateau est incroyable.
tu n'as pas besoin de savoir comment l'utiliser. Il va te conduire de lui-même à... Bah, normalement, c'est Myokara, mais je suis pas sûr que ça, c'est vraiment Myokara, du coup. Ok, direction Myokara. Et puis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à Myokara, ça fait 30 minutes. Vous êtes arrivé à Dewford Town. Voilà, soyez, feel free, voilà, visitez librement. Et souvenez-vous, vous avez un job à faire, Buddy. Ah ouais, on a un job à faire à Myokara aussi. Très bien, et bien on verra. Pointless, quoi. Ah, un endroit inutile qu'on peut oublier facilement. Ok, on va se regarder, on va cesser pour cette troisième partie. Merci à tous de l'avoir suivi. On a encore vu des sales affaires, hein, des meurtres d'êtres humains et des meurtres de Pokémon sur êtres humains. C'est assez terrible. Des tromperies, des, à mon avis, un petit viol hein, qu'on n'a pas trop pu enquêter. On n'a pas enquêté plus, mais heureusement. Et puis de la drogue, voilà, le classique, une, la vie quotidienne, juste qui va être la nôtre pendant quelques épisodes, enfin, pendant toute une série. Bref, merci à tous. Je re-sauvegarde parce que je suis un accro de la sauvegarde, un sauvegarde addict. Bref, et on se dit à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.